Plume d'or nous dit coucou, est-ce que vous aimez pousser les mémés dans les orties? Non, c'est méchant. Non. Puis en plus, elle n'arrive pas à se relever, hein. Du coup, elle souffre. Hein. Puis après, elles portent plainte parce que les mémés, souvent, elles sont pas gentilles. Et on dit qu'on est méchant, les jeunes générations, avec les personnes âgées, mais t'as vu dans le bus? Les personnes âgées dans le bus. Eh, comment ils sont méchants! Genre, moi, la dernière fois, j'ai cédé ma place. Bah, c'est un petit peu normal. Bah, non, mais t'inquiète pas. Hein. Oh, ça va, descendre un étage, mamie. Hein. Je vais te foutre mes mains dans les orties. Lol, non, sérieux, est-ce que Sonia n'est pas trop déçue ou triste que ce soit uniquement Wendy qui est Hidalgo en DP? Bah non, parce que je le vois toujours, donc c'est pas... Mais ça te manque de le monter? Bah oui, quand même. J'aimais bien quand tu faisais le Titanic, quand même, des fois. Ouais. Là, mais ça me fait pas, genre, mal, quoi, ça va. Ouais. Parce que je le vois et je sais que Wendy est en fait à côté, je sais comment elle est avec, tout ça. Donc, mais si c'était quelqu'un d'autre, ouais, ça passerait pas pareil. Qu'est-ce que vous avez comme portable? Alors, vas-y Sonia. Elle sait pas la marque, je crois. Mais non, c'est un Samsung Galaxy Ace. Ah, tu sais, c'est bien. Moi, c'est un blanc. Avec une coque au chocolat. C'est un Huawei Ascend. Non, Huawei Ascend G7. Je crois. Eh non, je sais plus. Alors, à se moquer de moi pour dire qu'elle connaît pas sa marque, ben voilà. Sorry. Et donc, c'est. Huawei. Donc voilà. Ok. Mais il est plus commercialisé. Alors, on va pas assez vite. Hein. Ouais. Si possible, on fait. Maeva Dessin nous dit quel âge on passe tout à Isis? Isis va avoir 19 ans. Et Pastou a eu 12 ans. Quelles impressions avez-vous eues quand vous les avez vues la première fois? Je l'aimais pas du tout. Je dis c'est quoi cette teigne? Pourquoi elle bouffe tout le monde? Moi j'en je la trouvais mignonne. J'en avais peur, parce que de toute manière de quel cheval j'avais pas peur. Et je voulais pas monter dessus. Et oui. En plus je trouvais pas aussi beau que maintenant. Je n'aimais pas, enfin, voilà quoi, c'était pas... Wendy, comptes-tu faire des concours avec Hidalgo plus tard quand il sera mieux sur les barres? Cet été, je vais essayer de faire un concours. Mais c'est un concours interne, c'est un concours en club, je demanderai à être hors compétition. Mais voilà. Mademoiselle Lila nous dit, comment vous et vos... Vous est venue la passion de l'équitation? Pardon, de l'équitation. Oh, comment vous êtes venu la l'équitation? Moi, c'est une amie qui en faisait ici, mais j'adorais les chevaux et mes parents n'avaient jamais osé m'inscrire. Et comme une amie en faisait, ils m'ont inscrit ici aussi. Moi, je faisais un tour de vélo avec mon papa. Puis on est rentré dans le club et il a dit viens, viens. Et puis je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Puis on a été voir des palefrenières et on était avec nos vélos et puis on a demandé des renseignements et ils nous les ont donnés. Puis après, ben voilà. Avez-vous une autre passion que l'équitation? La musique. La musique. La musique. Les concerts, les stars. Les festivals. Les groupes, les... Je crois que c'est la pire passion que j'ai. La pire. Enfin, celle qui m'impacte le plus dans ma vie. Ah oui, tu m'étonnes. Non, peut-être l'équitation, ça me prend plus mon temps au quotidien, mais à moi, à l'intérieur de moi. Tu vois. Ah ouais. Moi, je sais pas laquelle est la pire, mais de toute manière, les deux, c'est prenant. Ouais, c'est vrai. Êtes-vous les mêmes devant la caméra qu'en dehors de YouTube? Oui, c'est ça le pire. Je dirais oui. Un peu moins genre... qu'à deux, c'est pas pareil. Ouais. Mais genre dehors, dans la vraie vie, je rigole tout le temps. Ouais, on est toujours de bonne humeur. Enfin, on n'est jamais celles qui vont... Ça m'énerve. Il y a un truc qui m'énerve. On est impulsives aussi, toutes les deux. Ouais. En fait, c'est quand je vais au lycée et tout et que des gens sont de mauvaise humeur. Et que nous, on se force d'être bonne humeur. Voilà, on se force d'être de bonne humeur. Et les gens, non. Voilà, et les gens, non. Ils nous refilent leur mauvaise humeur. Voilà. Et tu te dis, mais pourquoi tu peux pas faire comme moi et te forcer? C'est trop dur. Enfin, je sais pas. C'est qu'une journée dans ta vie, mais. Voilà. Je sais pas, moi, je comprends voilà. pas. Voilà. Comment vous avez fait la première fois de parler. Comment ça vous fait de parler la première fois à une caméra? C'est étrange. Déjà là encore, c'est étrange. Ouais, déjà là encore, c'est bizarre. Mais c'est plus concret parce qu'on a plus de contact avec les abonnés, du coup. Et du coup, c'est mieux parce qu'on a l'impression qu'on vous parle. Speak. My dogs, my life, nous dit. Quelle est la marque de ton caméscope appareil photo? Mon caméscope est un Handycam CX, je sais pas quoi. Ah oui, ton appareil photo. Mon appareil photo, c'est un Canon 600D.
EES. EOS. EOS. Wendy, tu ne montes plus Isis? Oh non, ça fait au moins 2 ans. Non, ça doit faire 2 ans que je ne la monte plus. Là, elle est en retraite, en pâture. Est-ce que vous pourriez nous faire une vidéo quand vous deux, vous êtes en balade avec Pastou et Isis? On va dire, ça fait... Ça va faire... 3 ans qu'on n'a pas été en balade avec eux. Qu'on n'a pas été en balade avec eux et Isis est parti en pâture. Et parce que je peux plus le monter, ils nous disent ça. Je vais arrêter tout. Donc non, ce sera plus possible parce qu'on les montera plus. Voilà. Question pour Wendy. Quelle est la qualité de Sonia, la plus grande? Moi, je dirais que la qualité de Sonia, la plus grande... La plus grande. C'est dur. Tu vois, j'arriverai à en dire plusieurs, mais la plus grande. Ouais, la plus grande. Moi, je dirais que c'est sa... Sa capacité à... À être toujours à pifni. Et l'influencer sur moi. Enfin, je sais pas comment dire. Tu comprends, maman? Ouais. Oui, j'ai compris. Idem pour toi, Sonia. Quelle est la qualité la plus grande de Wendy? Je dirais... que bah tu vas te mettre de bonne humeur pour qu'on rigole. Ouais, c'est vrai. C'est pour enfin tout le temps, tu vois. Ouais. On va pas genre on va se forcer tout le temps. En fait, notre rituel, c'est on arrive au cheval, on vide notre sac de tout ce qu'a pas été ouais. Cette semaine au tout après, début bon. Et après c'est bon. Bref, je vous adore, vous êtes sublime, marrante, je vous adore. Merci. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça fait très plaisir. Lily Gym House. Je comprends ce que tu fais d'équitation et de la gym. Suite à la vidéo annonce surprise, je demandais quelle était la surprise. La surprise, en fait, c'était une interview qu'on a fait avec le site et le site Hipposport. Donc, si vous voulez voir notre interview, vous pouvez aller sur Facebook, vous marquez Hipposport et vous verrez. Ouais, vous descendez dans le fil d'actualité. Et il y a eu la publication. J'aime beaucoup votre chaîne car vous êtes les seules chaînes d'équitation à me faire rire. J'espère que vous allez continuer vos vidéos encore longtemps car me passer du rire de Sonia et les blagues à la con de Wendy. Un monde en beauté nous dit, pour Sonia, est-ce que Sonia monte encore Hidalgo? Non. Pour vous deux, quel galop avez-vous? 6. 6. Pour Sonia, si passe tout par du club, comment réagis-tu? J'en ai fait le rêve la dernière fois, enfin le cauchemar, et j'ai pleuré, et genre je me suis réveillée, j'étais en pleurs et tout. Donc ce que je pense, c'est que je pleure, je prends le contact avec la nouvelle propriétaire pour toujours savoir où elle va, ouais. Et jusqu'au bon moment où je l'achète. Pour Wendy, est-ce que Hidalgo a progressé dans le saut d'obstacle? Oui, pas carrément. En fait, on filmait pas en fait comment il était au début pendant qu'on le montait un an. Ah non, mais non, c'était pas possible. Nine. Franchement, nine. Même des fois, je me demandais comment on faisait pour être dessus. Ouais. En fait, il était infect avec ouais. Nous quand même. Au début, tout le monde nous disait mais comment vous prenez Hidalgo? Pourquoi vous prenez ce cheval-là? C'est comment même vous avez pas accepté, un cheval. Ouais. Oh là là, mais comment vous faites pour rester avec lui? Nanana. Et puis, oh, c'est bizarre là maintenant qu'il est mieux et tout. Oh, franchement, c'est vraiment bien ce que vous faites avec Hidalgo. Il est vraiment bien ce cheval. C'est un cheval, franchement, il est docile. Hein. Certes, Hidalgo va vite, mais il a toujours fonctionné comme ça. Et moi, je préfère un cheval comme ça que le cheval à cravacher toujours. Ouais. Donc, lui, il a très bien progressé. Il se cale beaucoup mieux. Et, ouais. Et on peut enchaîner des obstacles vraiment mieux. Vous voyez. Et ça. C'est très bien. PS, votre meilleure blague délire ensemble. Dans ton garage. Ça, oh ouais, ça reste dans le garage, ça et c'est on clair. On est désolé, on peut pas dire c'est quoi. On peut pas dire c'est quoi, mais ouais, mais c'est qu'un truc entre nous en fait, on pourra jamais le dire. Il y a qu'une personne qui le sait, d'autre que nous sur Terre. Ouais. Mais ouais, ça reste dans le garage et... Franchement, les nuits, les cinémas, ouais, cheval. Ou alors quand on était dans la tente et qu'on regarde un film d'horreur, quoi, enfin, franchement... Ouais, ouais. Naturellement, nous, avez-vous des animaux de compagnie? Oui! C'est Will et quel est leur prénom? Vas-y. J'ai un chien qui s'appelle Benji et des poissons, il y en a un qui s'appelle Nuggets, un McDo et... C'est vrai! Nuggets, il a un truc sur la tête, là, et McDo, il a un point, là. Et il y a Jackie Chan aussi, il a un point rouge, là. Pour le Japon, Jackie Chan, enfin, vous comprenez, quoi. Et donc voilà, à toi. J'imagine bien vos conversations. T'as donné à manger Nuggets et Jackie Chan? Ouais, bah oui. Mais McDo, il faisait toujours la gueule. Ouais. Mais McDo, McDo, il est mort, je crois. Mais je sais plus. Enfin bref. Mais j'en ai une centaine de poissons. Ah ouais, c'est pour ça. Donc toi, vas-y. J'ai un chat qui s'appelle Zach. Voilà. Non.
Et un chien qui s'appelle Gandhi. Oui, oui, Gandhi comme l'homme. Gandhi. Avez-vous une collection? Avez-vous une collection? Et si oui, laquelle? Et combien en avez-vous? Je peux la dire? Ouais. J'ai une collection de sacs plastiques. Mais genre, parce que en fait, un jour, j'avais entendu que les sacs plastiques, ils allaient plus en vendre et qu'il y en ait plus en avoir pour que ça soit plus écologique. Alors du coup, depuis ce temps-là, j'ai tellement flippé. Je pense qu'à chaque fois maintenant que j'achète un truc, je prends le sac plastique, je le plie, je le mets dans une boîte. Et donc du coup, maintenant, j'en ai genre une trentaine. Une trentaine de sacs plastiques. Super, hein, de pas finir ton mot. Bon, voilà. Moi, une collection. J'ai fait une collection de posters de... En fait, ça fait 8 ans que je suis fan de Tokyo Hotel, en fait. Et genre, je sais pas si je pourrais le montrer un jour comme je ferai le retour. En fait, j'ai un... Ah ouais. Vous savez les gros trucs à Leclerc qui se vendent, là, les grosses caisses, là. Et bien, tout ça, j'ai tous mes magazines, tous mes posters. Mais j'en ai compté une fois, j'en avais plus de 700. Donc j'ai plus de 700 posters de Tokyo Hotel, voilà. Ça fait beaucoup, hein. Ouais. Bah, il faut leur donner de l'argent, faut bien qu'ils continuent. La preuve, ils sont encore là. Grâce à toi. Tiens, j'ai acheté le mail. Je ne sais pas où je suis. Quel pays avez-vous visité? La France. La France. La Picardie, c'est un pays. Dans quelle région êtes-vous né? Picardie. La Picardie. Quelle est votre ville de France préférée? Je dirais Paris, mais certains coins parce que j'aime pas trop l'ambiance de Paris. Toulouse. Je sais pas pourquoi, j'ai un rêve, c'est d'aller là-bas, à Toulouse. Je sais pas pourquoi, hein, mais c'est vraiment prenant quand même. Hein. Bisous. Bisous. Noémie Di Santo. Pourquoi ici c'est pas tout, sont-ils vos chouchous? Ah ouais. Bah je sais pas, mais moi je pose non, la question. Pourquoi l'autre mode foudre? Je sais pas, en plus il est con, il est chiant, il est collant. Oh là là, ouais, mais c'est mon chouchou. Laurine Smile nous dit votre accent c'est naturel ou pas? MDRRR. Alors, c'est pas bien de se moquer, mais oui, non. Notre accent il est naturel en plus. C'est horrible. Venez ici, ma mère n'est pas d'origine ici, elle est venue ici. Elle l'a pris, mais genre c'est définitif, hein. C'est pour la fin de la vie. Il y a quelqu'un que je connais, d'un de mes amis, d'ailleurs s'il passe par là, c'est lui. Il a été dans le sud, il est revenu, maintenant il a l'accent du sud. Ah bon? Ça par contre, c'est génial. Je préfère des petites, des petites patates. Nous on fait les pommes de terre. Ellie Mami Horse. Hello May Horse. Pourquoi tu montes pratiquement toujours Hidalgo? Parce que je l'ai en DP. Horse Legend. Alors vous êtes toutes les deux magnifiques. Pour les questions, j'espère qu'elles seront prises en compte. Donc je t'ai les prises en compte. C'est vraiment trop gentil. Comptez-vous avoir votre propre cheval chacune plus tard? Si oui, dans combien de temps environ? Alors dans très longtemps à mon avis. Enfin, ouais. Ça va dépendre du métier, ça va dépendre de beaucoup de choses. De comment si on déménage. Parce que je pense qu'on va déménager. Forcément. Oui, on va rester ici. Voilà. Après nos études. Voilà. Quel type de loulou? Un cheval qui a peur de rien pour moi, parce que c'est une qualité qui est super importante si je veux continuer avec un cheval. Pas fragile. Et un cheval super attachant, genre qui s'attache à vous mais à fond quoi. Un passe-tout quoi. Vous avez quel âge? Je vais avoir 19 ans le 26 février prochain là. Donc jeudi. Ouais, jeudi. Jeudi. j'ai 17 ans et je vais avoir 18 le 10 décembre. Dans longtemps. Avez-vous des frères et sœurs? Non. J'ai deux sœurs. Wendy, tu comptes garder Hidalgo en DP combien de temps? Jusqu'au juin. Sonia, pourquoi ne prends-tu pas toi aussi un cheval en DP? Parce que c'est pas une mode. Ouais. Non, mais je pense que pour l'instant, c'est pas... Non, c'est pas ce que je recherche. Puis genre, j'aime tellement beaucoup de chevaux, genre que c'est pourquoi en choisir qu'un seul alors que tu peux en monter plein en club. Voilà. Ouais. Puis surtout que le cheval que supposé que je pourrais prendre, il est déjà pris, donc... En plus. Voilà. Et s'il vous plaît, Dédi, Maëlle. Ça me fait plaisir. Ça fera plaisir. Car je suis fan de vous et je vous adore. Bah, Maëlle. Maëlle. Maëlle, dites que c'est Maëlle. 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 Camille Buisson nous dit. Hey, what? C'est quoi ce bruit? Si vous... J'ai l'impression qu'on me tape dessus. Si vous deviez boire plus qu'une seule boisson de toute votre vie, ça serait quoi? Bah, de l'eau. Du coca.
Je bois que de l'eau en fait. Et je bois que du coca. En quelle langue croyez-vous qu'un sourd pense? Ça m'a trop perturbée. De quoi? C'est quoi la question? En quelle langue un sourd il pense? Genre tu nais sourd. Dans ta tête tu penses quoi? Non, à mon avis tu dois penser des images. Mais je pense qu'il s'invente une langue. Non, c'est possible ou pas? Je comprends pas si c'est possible ce que je dis, non. Je sais pas du tout, ta question est trop bizarre. J'ai cru voir quelqu'un derrière nous. La meuf qu'on a trop marre. Tu m'étonnes, vas-y. PS, j'adore vos vidéos, vous me faites trop rire. Merci. Merci, j'en dis, on est content de te faire rire. Rose Dist nous dit, est-ce que Isis aime Sonia? Ouais, franchement, ça allait. Ouais, parce qu'elle avait eu l'habitude de Sonia. Ouais, elle s'était habituée. Ouais. Mais au début, elle aimait personne déjà. Après, elle a aimé Sonia et par contre, c'est la caisse qui craque. Bah oui. Oh my god. Par contre, elle aimait personne d'autre. De qui traînait avec nous. Même les gens qui traînaient fortement avec nous, elle l'aimait pas. Il y a que Sonia qui l'a accepté en fait. Hidalgo s'est-il déjà blessé? Oh oui. Bah non. Ah oh, si, il a déjà eu des problèmes de genre la... Mais si, tu te rappelles pas la gueule de boue? Bah c'est pas blessé la gueule de boue. Bah c'est une... C'est la boue à cause de la boue. Eh ben, c'est une... Enfin, c'est un truc à part. Il s'est jamais blessé, il s'est jamais fait mal quoi. Il s'était pas un jour raclé l'œil? Le début, le au-dessus de l'œil? Non, c'était pas tout ça. Ah, c'était pas tout ça. 3, les friandises préférées de Pastou. Les pommes. Ouais, les pommes. Oui, même que les pommes. Amelb 2604. Pour Sonia, j'ai vu que tu as un collier Triskel. T'es fan de Teen Wolf? Ouais. Comment tu sais? Bah ouais, voilà. T'as fini les 4 saisons? Oui, j'attends la saison 5 qui sera au mois de juin. Voilà, c'est mon collier Triskel. Et donc apparemment, il y a Colton qui doit revenir dans la série, donc pour les fans. Donc ils sont en train de faire plein de suppositions. Et normalement, Colton, il doit revenir. Donc voilà. C'est tout. Wendy, tu regardes aussi? Non, j'ai pas le temps. Merci d'être comme vous êtes dans vos vidéos. Vous transmettez votre bonne humeur quand j'ai passé une journée merde. On est contents, parce que nous aussi, quand on passe des journées merdiques, on aimerait bien regarder. Ouais. Jade et Dune. Quelle est la différence entre une patate et une blonde? T'as vu la réponse ou pas? Non. Quelle est la différence entre une patate et une blonde? La patate, elle est cultivée. C'est de la merde. Mais j'aime bien. Je la ressortirai, merci. Stéphanie Horst nous dit, quelle sensation ça fait de se retrouver à signer des autographes au Salon du Cheval 2014? Sonia, arrête pas tes blagues, toujours très... Voilà quoi. C'était trop bizarre. Vous savez quand vous êtes stressé et que votre cœur il fait... Enfin, tu sais, on a l'impression que vous avez... Bah ça fait ça, quand on a vu tout le monde arriver. Moi j'étais... Ouais, au début on s'était caché derrière des... Enfin, on s'était pas caché, on avait été goûté. Ouais, en attendant l'air. En attendant tout le monde, donc du coup on avait été derrière des box et tout, et on attendait. Et au moment où on a vu 3 personnes, on s'est dit, oh bah voilà, c'est bon quoi, tant pis, si ça fait plaisir quand même. Mais en fait on baissait la tête en signant. Ouais, du coup, on voyait pas ce qui se passait autour. Puis d'un coup on voit des papas, des mamans. Donc on se lève. Putain, moi une vingtaine en plus. On veut plus ce qui se passe, et puis ça s'arrêtait plus. Franchement, on a signé combien sérieusement? Une centaine sûre. Parce qu'en fait ils partaient, ils revenaient, ils repartaient, donc du coup on pouvait pas vraiment savoir combien il y en a eu en total. Les vigiles au Salon du Cheval, c'est pourquoi? Non, c'est pas grave, ils font des vidéos. Désolée, c'était pas prévu qu'il y ait autant de monde. Ah, on pensait pas faire un bouchon en plein milieu de lait. Ouais. Donc voilà, ça fait très bizarre. Ouais. Miss Mel, j'ai 2 questions. C'est quoi votre surprise du coup? La vidéo sur les passeports. Est-ce qu'un jour vous allez nous donner votre adresse pour qu'on vous écrive comme Juju Loustic l'a fait? Alors en fait c'est très compliqué parce que c'est payant de créer une... J'ai été voir la poste, hein. La madame m'a engueulée parce qu'elle croyait que ça se faisait pas, mais elle a cherché et finalement ça se faisait. De créer une adresse, c'est payant, donc c'est une centaine d'euros par an. Donc j'ai pas trop une centaine d'euros à mettre... Ouais, j'ai déjà même pas 1 euro à mettre dans des bonbons. Et donc faudrait que je trouve une adresse de quelqu'un pour... parce qu'on va pas prendre nos adresses personnelles. Ouais. Qu'on puisse aller chercher les lettres là-bas, mais je trouve l'adresse de personne en fait. Et je sais pas à qui je pourrais prendre. Donc voilà, c'est compliqué. Journal d'une cavalière et d'un cavalier et d'une cavalière nous dit. Êtes-vous déjà venu dans ma région, la belle et l'unique Bretagne? Oui. Oui, je suis déjà venue. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est vrai. En particulier au Morbihan. Non. Non, désolée. Ça vous fait quoi d'être une des meilleures chaînes YouTube sur le cheval? On n'est pas une des meilleures, on est une des plus connues.
Ouais. On n'a pas la prétention de dire qu'on est les meilleurs. Ouais. Non, on n'est pas les meilleurs. Non. Mais ça fait très bizarre. Parce mais ouais, ça fait bizarre c'est... quand même d'être connu. Une fan vous a-t-elle déjà arrêté dans la rue ou autre lieu? Ouais. Tous les matins presque. Mais non, mais c'est parce que c'est toujours la même en fait. Je peux me voir. Voilà. Mais en fait, ils nous arrêtent pas, ils... je pense qu'ils osent pas, mais ouais. On entend Sonia, Wendy, Sonia, oh putain, Sonia, Wendy. PS, voilà. Je vous adore, vous êtes les meilleurs. Merci. Lohan Amelie. Oh non! Qu'est-ce que tu as? J'ai mouillé la serviette. Oh putain. Lohan Amelie nous dit, est-ce que vous avez un compte privé sur Facebook? Oui, mais c'est privé, comme son nom l'indique. Mais si, c'est privé. Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir dans la vie? Faire des concerts de gens que j'aime toutes les semaines. Tous les jours. Non, tous les jours, à force, ça doit être chiant. Enfin, c'est un peu fatigant, quoi. Tu veux... Vu tous les groupes qu'il y a, ouais, c'est vrai. On serait même pas sortis encore à 20 ans. Voilà, des concerts tout le temps. Des concerts tout le temps. Mais elle a dit quoi, ce qui nous ferait plaisir là maintenant? Ouais. Ah, bah, voir Pastou. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je vais pouvoir le monter. J'ai besoin de rien d'autre que des concerts. C'est vadé. Je vous existe, j'ai eu de l'eau. Voulez-vous travailler dans les chevaux plus tard? Non. C'est envisagé. Alison Bodmod nous dit, que voulez-vous faire plus tard? On sait pas. De bien, Joe, de moi, j'aime bien. Non, je sais moi, pas. Moi, je veux aider les animaux, j'en suis sûre que je veux faire ça dans ma vie. Moi, si je devais vraiment choisir genre un truc comme ça, là, en métier, mais si j'avais la possibilité, je pense, ce serait chroniqueuse ou humoriste. C'est ouf, tu sais, genre un truc. Ça tirait bien, ça, putain. Actrice ou un truc comme ça, genre comédienne. J'adorerais. Mais c'est tellement. Pas possible. Donc. Wendy, tu préfères Black Veil Brides ou Tokyo Hotel? Ça, c'est même pas la question qu'ils vont me poser, c'est Tokyo Hotel, mais largement. Quelle est votre chanson du moment? Feel It All de Tokyo Hotel, je l'écoute tout le temps, et... tout le temps, je sais pas, tout le temps, je me réveille, je l'écoute, je suis dans la voiture, je l'écoute, je suis à l'école, je l'écoute, je suis avant de dormir, je l'écoute. Je vais regarder ce que j'ai. Tout le temps. Attends, 2 minutes, je l'ai. Ouais, Purple Haze de Jimi Hendrix. Voilà.